Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Dredge. On va essayer de se faire une petite quête, la descente par là, les petites îles ici. Même si je serais bien retourné derrière cet endroit là pour aller checker ce petit bout d'île là que j'ai jamais vu, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose dessus. Pareil, je suis allé là mais je suis pas allé là. Ah, ça me tente d'aller voir tout ça là. Je veux faire un bouclage assez propre. On peut marquer une zone. Placer un marqueur. Là. Voilà. Non mais. Mais il est. Merci. Je prends tout. Du coup là je vais pas du tout dans le bon sens. Faut que j'aille par là. Bien sûr, nous cherchons toujours du bois. Évidemment. Inutile de pêcher quoi que ce soit. Alors, je laisse évidemment le filet se remplir. Hein. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est du bois et rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est du bois? Ça a l'air d'être du métal. Ça a l'air d'être du bois. Si je trouve après une réserve, c'est vrai que le métal, je peux déjà le stocker pour la suite. Allez. Allez, j'en prends un. Juste un. Juste un Rémi. Je craque pas plus que ça, promis. Voilà. J'en mets un là. Et c'est tout. Voilà. J'ai pris juste un. Vous avez vu, j'étais sage. Hein. Tissu nul. Ça n'intéresse personne. Hein. C'est bien du tissu. Ouais, c'est ça. Ça n'intéresse personne. C'est nul. Même si ça m'en demandera pour la suite. C'est tellement nul que ça n'intéresse vraiment personne. On peut aussi aller voir s'il y a l'autre taré de cultiste qui est encore ici. Parce que... Satisfaction presque atteinte. Ah oui, il lui faut un truc de serpent là. Ouais, ouais. Il est taré le mec. Enfin, je veux dire, il peut payer son poisson comme tout le monde. Il est pas obligé de faire le type chelou quoi. Les gens ne savent plus quoi faire pour gratter du poisson gratos, pardon. Et pas une épave. Non. Allons voir là. Donc ça, c'est les fameuses îles que j'ai pas vues, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Allons visiter ces fameuses îles que je n'ai pas vues. Il va y avoir un truc par ici. On connaît déjà. Ce qui m'intéresse, c'est le fichu scolier que le gars il veut. Et quelqu'un. C'est un caillou. Voilà. Un fort beau caillou qui a donné un poisson. Mais un caillou quand même. Il y a une épave déjà. Bonne nouvelle. Allons voir si ce rocher cache derrière lui un. Un quai, une épave, un truc, un machin. Et c'est de la merde. Non. C'est juste un caillou. Avec deux rochers positionnés de telle manière que ça pourrait cacher un temple. C'est un caillou. Très bien. Allons voir tout de suite cette épave. Bon, ces épaves. Je connais déjà, j'en veux pas. Une journée. On ne pêche rien, tout va pourrir, ça n'a aucun intérêt. Pardon? Je voulais pas, hein. Désolé, je dérangeais le petit crabe du coin. Un coffre rongé dépasse de l'épave d'un navire. Regardez à l'intérieur. Chic du bois. Mais trop bien. C'est excellent ça. Okay. Donc, on a un gros crabe. Enfin, un crabe qui est un peu trop gros pour entrer dans le panier, visiblement. Ouais. Il a l'air d'y avoir plus par ici. C'est quand même un tour des cailloux. Hein. Quoi? Hein? Vous voyez, je suis sur une longue licence à l'aide du manifeste. Ok. Wouah, j'étais pas sur le bon truc, je me suis téléporté maison. Mais avec mes poissons. Pour préciser, c'est très important. C'est rigolo ça.
Moi je suis revenu avec mon bois. J'ai tout win. Bon, on a exploré la partie qu'on voulait explorer. Bon, j'ai pas regardé dans le détail cette chose, mais déjà il y a un gros crabe. Un petit peu fâché, voilà. Je peux juste me déposer ça. La réserve, je peux me déposer ça. Le reste, c'est aller vendre en face. Ça, en vrai, je vais le désinstaller. Ça change pas grand chose à ma vie. Hop, je le repositionne. Oui, tu peux prendre toute la nuit pour te poser, j'en cogne. Voilà. Les poissons, ils pourrissent dans le filet ou pas? Au calme, ça reste complètement frais. Ça flex. J'ai un panier à crabe, je sais dans quel état il est. Pas de problème. Rocher? Rocher Muddy? Ou Muddy Rocher? Hop là, et un autre petit poisson. Et un calmar légendaire trophée. Aïe hop. Y a un petit dégueulasse pour compléter? Non. Bon, on complétera un autre jour. J'ai fait l'arrière des deux îles, je crois, là, récemment. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, y a rien d'autre à prendre. Hop. Tac. Le négociant. Oui, monsieur. Voilà, 93 billets. C'est envoyé. Ma gueule. Tout a l'air... voilà. Je pense retourner, en fait, vers... dans le nord, là, avant de descendre, parce que je sais qu'il y a des épaves qui se rechargent là où il y avait l'architecte. Et je me dis, ça serait quand même bien de pouvoir commencer à entamer la coque suivante. Parce que plus on est résistant... Bon, on a de chance de mourir bêtement comme pendant l'heure de farming. On s'est fait pulvère en boucle par par la méduse cyclopéenne là de Seymour. Donc hop. Les cabillauds. Tac, tac. Ah, j'ai raté. Reste une place pour un petit cardon là. Petit cardo. Un cardo ou une demi hein, d'ailleurs. Cardo demi. Vous l'avez ou pas? Si vous l'avez, vous êtes bien. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Hop, poissonnier. Sblu, 380 bouliches. Ah, il est déjà 15h. Ouais, vas-y, bon, bah, on va pêcher le reste. Hein. Parce que leur défile a une vitesse dans le jeu. C'est un peu dingue. Ça là en face de moi, c'est... Ah, les fameuses îles aussi où j'ai une quête là-dessus. Va être très intéressant d'y aller. Mais j'irai bien à la pointe d'acier en vrai. Et je pense que je vais aller relever mes crabes. Avant d'y aller là, dans la nuitée. Poisson déguisé en bateau. Tu m'atteins là? Oh là. Ah, ça m'a créé un rocher là. Et là quand même on est au pied de la maison, hein. Le rocher devrait pas exister. Hein.
Je sais que tu n'existes pas. Pas jour. Donc après le poisson lanterne, et klaxon. Voilà, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Poissonnier. Oh, on va aller à la répa. 138 balles de répa. J'ai un peu mal quand même. Hein. Il est minuit, je vais quand même relever mes crabes, j'en cogne. Je cogne de ta flip là. Ça sert à rien de vendre des trucs. Récupérer. Bon. Hop. Faire demi-tour. Ah, il y a un truc qui a voulu grimper à bord. Et eh ben c'est raté. Il ne me pourrira pas de mes poissons. Voilà. Ma réserve. Déposer mon turbo panier à crabe incroyable. Et en fait, toi, tu... excusez-moi, je vais te remplacer dans un coin. En fait, j'ai été idiot, c'est bien pour le design, mais c'est très chiant pour ranger les poissons. Allez. Et c'est tard du matin. Donc on va les taper plein nord, évidemment. Hop, là, on passe au milieu de ça, quand même. On grattera un poisson. Les poissons, ils rosent. Mais putain, je viens de péter mon moteur. Je suis vraiment con à ce point-là. La réponse est bien. C'est une fausse question, évidemment. C'est vraiment l'inconvénient que d'avoir qu'un seul et unique moteur. Dès que je le pète parce que je suis un abruti, bah. Plus rien pour avancer. Oui, il est dégueulasse. Billets la répa, putain, j'ai mal. Non, ça c'est bon. Du coup, il commence à se faire tard pour mes histoires. Hein. J'ai rangé mon panier ou je l'ai vendu? Je sais même plus ce que j'en ai fait. Je sais pas si c'est bien important, mais voilà. Hein. C'est à côté. Hop là. Alors. On raconte quelque chose? Elle a réussi à bien s'installer. C'est magnifique. On est content pour elle, hein. Bien sûr. Donc, ramasser des trucs et des machins. Du métal, du bois, on va tout ramasser. Hein. On va remplir la réserve. Hein. Hop là. Wow,
Bon, après, je dirais bien, les gars, une scierie, une mine, enfin voilà. Pas juste ramasser les poubelles, quoi. Techniquement, je me fais des bateaux en bois flotté, là. En tissu bien gonflé. J'espère que vous me posez pas de la laine, hein. Sinon, ça va être compliqué, les gars. Là, c'est plus de l'exploration qu'autre chose, mais il n'y a rien d'autre à venir fouiller ici. Ah bah du bois, parfait. Ah d'accord, mais il fait déjà nuit. Une coque en bois autrefois solide est brisée sur le rivage. La poupe est complètement échouée. Essayez d'entrer dans la poupe. Vous vous approchez un peu et parvenez à vous hisser à l'arrière de l'épave. C'est la première fois que je la découvre. Je suis un abruti. Bah, c'est combien de fois à côté de ce truc? Bah, on va rentrer, on va faire de la recherche un peu. Hein. Je peux le klaxonner? T'inquiète, tout se passe bien poulet, tout se passe bien. Hop là! Je peux pas test. T'aurais kiffé en hein, pouvoir me tester. Hein. Ouais. Ouais, il peut essayer. Ah, il veut essayer très fort. Je l'entends derrière. Vous l'entendez derrière? Il essaye, hein, il essaye. Ouais, je vais voir si on peut faire des dégâts de collision. Des dégâts de collusion, comme on dit dans le milieu. Il ne peut point. Planche, il n'y a plus, plus beaucoup de place là. On va allonger de la planchasse. Pas mal. On cherche. C'est vrai qu'on pourrait partir sur de la super méga ultra énervée canne à pêche qui fait les océans. Et je suis d'accord. Parce qu'en plus, je crois qu'on a la place pour. Hein. 1, 2, 3. Ouais, ouais, on aura la place pour. Dormir. Allez, allons explorer ces îles. Pendant qu'il fait beau et jour et bien bon. Et un jour bien bon. Il y a un truc qui brillotait ici. Est-ce que ça, par hasard, ça ressemblerait à des rochers à qui il faut parler, non? J'ai vraiment fait ça. Donc là, là, on n'a pas le choix, quoi. Faut rentrer comme ça, à cette vitesse-là. J'ai tout foutu en l'air. Oh, c'est une catastrophe. Bon, bah, on va se faire une petite pêche, hein. Tant qu'à faire, hein. J'ai déjà des réparations entamées. À peine parti que j'ai déjà tout pété. De toute façon, on va dire que c'était prévu. J'ai un panier de crabe à relever, non? Du coup, j'ai un doute, mais non. C'est vraiment juste une discussion. J'ai pas de panier de crabe à relever.
Ok. Une journée entière, gaspillée. Mais on a fait ça. J'ai fait ça super bien. 208 boules. Moins 61. Quelle sèche. Oui. Réserve. Paf. Planche. Paf. Validé. 75$. La nouvelle coque. Oh, la nouvelle coque. Oh, on va même pouvoir passer d'un peu de tissu. Quel plaisir. En fait, là, il va vraiment falloir aller voir la marchande parce que c'est la seule qui va nous vendre. Qui nous vend ça en fait. Hein. C'est. Voilà. Donc on est pas mal. J'ai pas regardé par contre combien ça allait nous coûter en tunas. 1500 boules. Bon, on les a. On les a. On les a. Côté positif. En fait, elle nous vend les... la recherche. Vraiment, elle nous vend tout quoi. En fait, elle nous vend de la recherche. Elle est parfaite quoi. Vraiment, on va retourner la voir. Et en plus de ça, elle nous fait le... Elle nous fait le... Elle nous fait les améliorations sur place et elle nous vend tout ce qu'il faut pour le faire. Que demande le peuple, hein. Négociant. Réserve. Je swing beaucoup trop du cul. Ah, dégueulasse, parfait. C'est parfait, il faut déjà que je me répare. Sans deux balles. Donc, combien de réparations? 36 de répa. Ça me coûtait des sacrées commissions, la répa. Non, par contre. Ouais, par contre, ZZ. Retourner aux îles Nord, parce que je veux quand même aller visiter ça. C'est quand même... j'ai pas fini de les visiter, je veux les visiter. Bon, on va partir tout de suite sur la droite, hein. Génial. Moi, je vais pas essayer de regarder ce qu'il y avait, mais... Je devrais, parce que potentiellement, je rappelle que je cherche un poisson pour l'autre qui peut pas payer, là, avec ses petits dessins, là. Le clochard des îles, là, comme on l'appelle. Ah ah. Bon, je vais le toucher aussi, mais bon, je suppose qu'il en a rien à carrer. Bon, il réagit pas, c'est formidable. Oula, il y a... C'est que des poissons par là. Un escolier serpent. Ah, mais c'est ce qu'il voulait, le monsieur. Eh ben voilà, on va lui ramener ça, l'autre clodo. Ah, c'est une assiette. Bon, bah maintenant j'ai une assiette pour manger. On est de haut niveau. L'assiette qui prend une place de dingue hein, dans ma cave. Hein. Wow, il se passe des trucs là-bas. Hein. Là-bas il y a l'Atlantide. Hein. Ça a l'air dingue. Il se passe rien ici. Tout calme. C'est bien, hein, c'est paisible comme coin. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. Moi, je dois avouer. Hein.
On va quand même pousser jusqu'au bout. Ok, ouais, bon, on aura poussé jusqu'au bout, hein, gentiment. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Hop, on se fait une petite sieste. Boum, boum. On quitte, on utilise un pouvoir étrange de téléportation. Qui est grave stylé. Tac. Mon gars chelou, il est par là, de l'autre côté. Par là, je crois. Il est là. Oui, là. C'est ici que ça se passe. Voilà. Satisfaction presque atteinte. La suette pointe du doigt un poisson sur lequel blabla. Dans mon filet. Tiens mon gars. À peine le poisson a-t-il quitté votre main que la silhouette enfonce ses ongles dedans et arrache ses entrailles. Elle extirpe son cœur et le dévore. La silhouette redresse la tête pour vous observer et saisit un livre sous sa tunique avant de vous le tendre. Fin assouvie maintenant, j'attends. La silhouette croise les bras et semble plonger dans un sommeil profond. Bah, bonne nuit ma gueule, hein. Et merci pour le bouquin. Guide du marchandage et du troc. Des escrocs, ouais. Alors mettez une tuque-nique, ayez l'air chelou, s'il vous plaît, et vous verrez, les gens vous donneront du poisson. Franchement, le mec, top guide. Top guide FR, gros champion. C'est, ouais, mais ça rend le trouble. Il faut qu'on améliore notre canne à pêche, comme ça on pourra vraiment ramasser tous ceux que j'ai pas. Ouh. Eux, je les ai pas. Pareil, je les ai pas encore pêchés. Il faudrait. Voilà. Ouais, ouais, on a bien vu Moby Dick et un Kraken se la coller. Hein. Tranquille. Tranquillement entre eux, hein, entre potes, là. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y avait aussi une histoire de. Et ouais, parce que j'oublie à moitié les choses, mais il y avait une histoire de ramener un petit peu de TNT. Là où tout a commencé. Est-ce qu'il y a un rocher? On n'a pas pété ce qu'il y avait derrière. Il y a peut-être un des trésors derrière, je ne sais pas. Mais ça peut se faire, quoi. Péter des trucs, je sais faire, à commencer par mon propre moteur. Alors, je le fais super bien, d'ailleurs. Si jamais, hein. Si jamais il y en a qui se posent la question. Hein. Allez, pour 195 boules, ça fait plaisir, ma bonne dame. Mon dock flottant, j'ai rien à ajouter dedans, puisque je n'ai qu'une assiette. L'assiette peut aller à la réserve. Oui, par là, admettons. Chantier naval, tu vends des choses qui m'intéressent énormément, genre de la dynamite. Oh, ma bonne dame, vous savez quoi? Vous êtes de la dynamite. Vous êtes vraiment de la bombe, un peu. Et je te prends ça. Merci. Je vais dans ma réserve. Je me range un poilou d'acier. Bon, la TNT, si on va la ranger parce que j'en aurai juste besoin quand on sera arrivé au bout. Recherche, on progresse de 2, ce qui est pas mal du tout. Ça serait intéressant de faire rester encore un petit peu ici, justement pour s'assurer d'avoir tout ce qu'il nous faut en recherche et de pouvoir s'acheter le produit de nos rêves. D'ailleurs, le méga set de canne à pêche là. Canne à pêche avec celle de la canne à pêche du samedi, la canne à pêche du dimanche. Mais... tout ça.
Les poissons changent, ce sont des choses qui arrivent. Ah oui, on va aussi pouvoir refaire un tour pour voir s'il y a du bois, des matières premières, des choses comme ça. Oh, dégueulasse, ça fait plaisir. Il y a quand même des gens qui sont prêts à payer plus cher dans leur assiette un poisson dégueulasse. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils font les gars, mais... un peu peur, hein, les gens. Alors, hop, une place, s'il vous plaît, hop, s'il vous plaît, bah, il n'y a plus de place. Là, je suis en train de me dire, faites-moi une place, s'il vous plaît, mais en fait, plus de place. Ah, bah, sourire. Hop là, marché du poisson. Merci ma bonne dame. Combien? 308$. Ça encaisse, hein. Ouais, on peut aller au dock flottant en fait, en vrai. Parce que je suis en train de me dire, oui, j'ai mis dans ma réserve, mais en fait... rien du tout, hein, ça part, hein. Ça part direct, il me faudrait deux planches et encore un métal qui chrome. Un métal raffiné. T'as refait le plein ou pas, madame? Oh, madame. Oh, incroyable, hein. Alors, dock flottant, ici, rangement de la dernière plaque, voilà, Matek, chantier naval, combien ça coûte? 700 et quelques dollars, 700 ou 7000? 720, donc ça, je te le vends, et j'achète ça. Voilà. Ah, rien d'autre à ajouter. Avec ça, on peut donc tout se faire du haut fond, des machins, genre là-bas. Oula. Mais c'est des merdes ça, c'est pas ce que je cherche. Il est où le... C'est quand je viens de là. Il y a un caquin là dans l'océan normalement. Vas-y, je me suis fait douiller. Dis-moi que t'as un quinquin toi. Sinon je me vénère. Oui, c'est des quinquins que j'ai jamais pêché. Parfait. Un espadon. Oui, ce n'est pas réellement un quinquin évidemment. Voilà. Eh ben... On est bien content qu'il y en ait qu'un. Hein. Deux, ça aurait pu être sympa, mais alors... un. Pas plus, hein. Vraiment, deux et puis faut pas pousser, hein. Ouais, il faut que j'aille voir, chercher de la planche un peu partout, tout ça, tout ça. Combien il vaut le bestiole, là hein? 175$ à lui tout seul, hein. Il valait son pesant de cacahuètes. On va pas se mentir. J'ai fini de lire son truc. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a appris sur son truc? Cabine, c'était... Guide du marchand et du troc, les prix de vente sont 5%, augmentés de 5% et les prix d'achat réduits de 5%. On est sur un petit bonus de 15% actuellement, hein, quand même. Hein. Pas du monde. Hein. Bon, on se prend du thon. En fait, on se fait du pognon. Y a pas trop le choix, en vrai. En train de discuter, en train de dire ouais, est-ce que je devrais bien faire ci ou bien faire ça, a pas le choix. Hein. Entre du pognon, la vie va coûter un bras. Mais... Oui, enfin, je voulais ranger mes poissons, mais on va faire ça après. Tac. Tac. Et en fait, je voulais faire ça.
Ça, ça me laisse un petit angle. Un petit angle. On va rentrer là-dedans. Aux dernières nouvelles, il y avait des plans de chasse là-dedans. Ouais. Let's go. Ça part là quoi. Son carré, je peux en prendre un. Voilà. Voilà. Ouais, après ça va être un poisson tortillé. Un thon. Je peux en prendre d'autres. Ou une pièce de moteur. Pas de besoin impératif en motorisation. Mmh. 326 boules. On s'est fait plaisir. Dock flottant. Alors c'est parti, hein. On se rentre de la planche. Et 1500 boules. Bah on les a plus. 1500 boules, on les a plus. C'est pas grave. On va stocker, de la planche en attendant. On se fait une petite sieste sur place. Petite sieste. Voilà. On lève l'ancre. Est-ce que je commencerai pas non plus à me reprendre des pièces de métal là, dans l'épave en question? En vrai. J'ai même pas fait le son pour le petit chelou, il en a plus rien à faire. Je me dis non, mais le poisson chelou c'est la base de la vie. Je vais encore boire mon café froid, moi, je me connais. Hein. Bon, bah tant pis, hein. C'est encore un café avec des glaçons. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, quand j'en aurai marre, je penserai à le boire. Hop. Visiblement, j'ai plutôt bien pillé les océans pour l'instant. On est sur une bonne base substantielle de pillage. Ça fait un moment que j'ai pas vu l'autre poiscaille chelou. Hein. Tac. En vrai, on va bouger un peu là pour voir. Voilà. Eh bah c'est épuisé. Hop. On se ramène ça par là. Bam, 211 boules. Réserve. Ranger beaucoup de métal. 1200, toujours pas assez d'argent. J'ai vu un truc qui brillait au loin un peu bizarre. Bon, ça sera pour demain. On va éviter les chelouteries nocturnes. Éviter de se faire des dingueries. On va quand même partir à 4h. Hein. Voilà. Pas se booster tout de suite, mais faut qu'on avance un peu parce qu'on va aller chercher vers le fond là
des trucs et des machins. Pour l'instant, il n'y a rien par là. Ok. Un petit peu, ils sont où ? On prend. Hein. Si je vois pas, il se passe rien. Je pense qu'il y avait un Cthulhu des profondeurs qui râlait un peu là. Des moteurs, hop. On va ça plutôt par là. Hop. Et il fait déjà nuit noire. Ah, vite, hein. Oh, parfait, ça. Même si j'aurais préféré trouver du bois. J'ai besoin de bois. Bois du bois. Enfin, là, j'ai besoin de pognon actuellement. Hein. Donc, prenons quand même du bois. Pas comme ça. On va même retourner en zone de départ. Esquive. Moi je vais le prendre. Il m'a pas vu. Ah, il m'a vu. C'est qu'il essaierait de Cthulhuiser. Hein. Faudrait que je me repose. Les gens, ils aiment bien me dire tu devrais te reposer. L'argent ! Jean s'engrange pas tout seul. Hein. Faut que je trime pour ça. Vous n'avez plus de place. Ah. Vous n'avez vraiment plus du tout de place. Ah. Effectivement. Hein. C'est bien de le dire, monsieur. Toujours pas le droit de le rechercher, ça. Bon, on va continuer notre progression sur le turbo moteur de l'espace du futur. On peut s'acheter la nouvelle coque. 1500. On les a toujours pas. Attends, là, combien on tue ? 1300. Putain. Faut qu'on aille pêcher lui, hein. C'est obligé. Hein. Pas le choix, là. Petit poisson. Ce qui pourrait mal se passer de nuit. J'arrive bien à mettre la pression en vrai. Voilà, j'ai eu le trophée. Ils sont pas évidents à voir. Hein. Poisson ou deux. Il est 5h30, il n'y a plus de pression là. Ah, le temps que je pêche, il fait beau, il fait jour. Il pleut, une petite brise matinale des plus agréables. Parce qu'il pourrait mal se passer. J'ai plus de place pour ton poisson, désolé. Bref.
Ah non, il m'a pourri un poids sky, enculé. Il est infecté, il vaut plus rien. Putain, quel con. Ça, c'est juste pour me punir d'avoir pêché de nuit. Vendre des poissons. Celui-là, il ne vaut plus rien. Voilà. Bon, c'est pas grave, on les prend quand même. On peut toujours pas, du coup, parce qu'il fallait 1500 et qu'on y est pas à cause d'un poisson. On n'y est pas à un poisson près. Hein. Un poisson. Oula, un poisson? Non, un poisson. Ça y est, j'en ai un sur moi. Potentiellement, on est bon. Normalement, avec tout ça, on est bon. On va reprendre celui-là en plus, là, qui est réapparu. Hop. Allez. Extermination. Plus de poissons, plus d'infections. Hein. Moi, je dis, j'ai trouvé la solution au problème. Hein. Je vais regarder le prix de celui-là. 44. 28. Ah ouais, c'est quasiment le double. Hein. Quasiment le double. Nous avons 2006. Allons-y, doc flottant. La coque niveau 4. La coque avancée. D'ailleurs, tant qu'on y est, ouvrons tout de suite les hostilités. Hein. Bon, il va falloir de la planche. Hein. Oh, ça nous ouvre. Oh là, c'est beau. Hein. Ça nous donne un bel espace. Parfait. On la réserve, nous en avons bien besoin de son contenu, même si le jeu nous dit que j'ai quand même beaucoup trop de ferraille. Il nous manquera évidemment plus qu'une planche et 600$, parce qu'il nous quand même 600$ pour régler ça. J'ai bien l'intention de pousser sur le moteur, parce que vu qu'on est en train de rechercher le gros moteur, c'est important, il faudra deux planches. Sur l'éclairage. Ah, il est chelou ton éclairage. Ouais, on va placer ça là-dedans. C'est vraiment parce qu'on a plein de tissus que je le prends. Voilà. Et ben, ça aura été plutôt bien fait. Voilà, le bateau avec sa coque avancée. Joli, hein. Le petit bateau. Eh, hey, du coup, c'est la... C'est la fin en termes de... J'ai le plus gros bateau, ouais. Ouais, j'ai le plus gros bateau. C'est la coque avancée. Et ben voilà, ça me paraît déjà bien. Hein. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Hein. Ça va encore faire un bon petit épisode de farming. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfonk sur Canal d'habitude Gaming pour Dredge et je vous dis...